Le professeur Olivier Audéo nous a fait l'amitié et l'honneur de venir dialoguer avec nous sur ces sujets. Il a eu de nombreuses responsabilités dans le monde universitaire, président de l'université de Paris 10 Nanterre, des responsabilités à la conférence des présidents d'université pour les relations internationales. Et puis c'est un universitaire intéressé par les questions européennes et par le droit de l'Union européenne, me semble-t-il aussi. Et d'autre part, Muriel Bourdon, qui a récemment soutenu une thèse de doctorat en histoire sur l'Europe des universitaires, le terme qui est employé, ayant pris comme terrain d'étude l'observation de une forme d'européanisation de l'université Pierre Mendès France de Grenoble. C'est intéressant de pouvoir l'entendre, puisqu'elle a observé sur une très longue durée. Je me souviens lui avoir répondu à une série de questions sur l'Europe à l'Institut d'études politiques de Grenoble à cette occasion. Donc merci d'avoir accepté de dialoguer avec nous sur le thème de l'Europe des universités. L'Europe des universités, un peu en vrac, hein. C'est le LMD, c'est Erasmus, c'est aussi l'auberge espagnole, si on veut avoir une observation un petit peu généraliste sur ces thèmes. En même temps, les universités en Europe, et j'ai pris la peine de regarder, sont la plupart d'entre elles très anciennes, il y a beaucoup d'universités très anciennes, hein. Bologne 1888, Oxford 1133, Montpellier 1137, Cambridge 1209, mais la Sorbonne arrive un peu plus tard, 1274, Coimbra, 1274, Prague, Heidelberg, Louvain, Vilnius, et donc elles ont depuis très longtemps participé à la mobilité des étudiants. C'est vrai, il y a très longtemps à la Renaissance, mais elles continuent à participer, elles le forment aux questions européennes. Elles rivalisent de plus en plus entre elles, et celles de Grande-Bretagne rivalisent beaucoup et sont classées dans ce fameux classement de Shanghai, très haut en quelque sorte. Donc merci à nos conférenciers de nous aider à mieux connaître l'Europe des universités. Alors peut-être d'abord monsieur le recteur et puis ensuite madame Bourdon. Bien, chers collègues et amis lointains, on s'était croisés il y a très longtemps. Oui, je suis plutôt communautariste. Hein. Moi, je suis un élève de Claude-Albert Colliard qui a beaucoup sévi à Grenoble à temps fut, et de Pierre-Louis Tegen, dont j'ai été le collaborateur technique type CNRS il y a dans des vies très antérieures. Oui, j'ai eu beaucoup de vies de vies différentes. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de sauts de puce, puisqu'avant d'être recteur de Grenoble, à mon grand plaisir, j'étais conseiller scientifique à Ottawa, ce qui permet de faire des comparaisons avec le monde anglo-saxon et pas toujours. Dans le sens fascinant du monde anglo-saxon. Mais bon, ça, c'est une autre affaire. Alors, parler de l'espace européen des universités et de la recherche, c'est toujours quelque chose, on ne sait pas trop par quelle boule l'aborder. Si j'étais très juriste, je dirais que ça n'existe pas, puisque c'est paradoxalement quelque chose d'étonnant dans le cadre de la construction européenne. Alors, je vais quand même commencer mon propos par quelques points fixes pour commencer. D'abord, chers collègues, vous avez évoqué le fondement de l'université. Je rappellerai quand même que l'université de Grenoble, créée à la demande d'Humbert II, a été créée en 1339. Donc on n'était quand même pas si loin du premier lot. Mais si vous l'avez évoqué, que je le reprends, c'est parce que c'est significatif de quelque chose de fondamental, puisque l'Europe, actuellement, est en train de retrouver l'espace des universités qui existait bien avant que l'État-nation n'existât. Et je dirais que, historiquement, l'université avait cette particularité d'être un réseau du savoir, réseau de transmission de savoir, c'est important, mais aussi, et c'est lié à ce qu'on va évoquer, c'était le lieu de la mobilité des étudiants comme des savants ou enseignants, et ils aboutissaient à quoi? Éventuellement au titre de docteur, puisque c'était l'aboutissement d'une reconnaissance. Et par rapport à notre sujet, à cette époque-là, on n'avait pas besoin de montrer ses papiers pour passer des frontières qui étaient floues. Il y avait des péages pour passer les ponts, pour passer des choses comme ça, mais sinon pas de papier,
Puis on était accueillis, on n'avait pas de droit d'inscription à payer. On était, quand on allait au collège de la Sorbonne, on était logés, certes dans des petites cellules, mais si vous voulez, pour rappeler quelque chose de fondamental, c'est que l'Europe est pétrie de ce souvenir, de cette tradition, ouverture des universités, universalisme des universités, et au contraire, cette appétence d'écouter, de faire venir les gens. Donc, je dirais que maintenant, notre mouvement, on revient au cycle antérieur après avoir eu de nombreuses errances. Alors, pour l'université, pour mieux comprendre ce qu'on va dire après, à quoi sert l'université ? Alors, dans beaucoup de pays, l'université, c'est la formation des élites. Et petit à petit, bien entendu, et en France on l'a connu, on est passé de la formation des élites à une massification, et parfois un peu l'inverse, c'est-à-dire la formation des élites n'est plus toujours en France dans les universités, et parfois ailleurs. Mais bon, peut-être que les réformes actuelles vont regrouper un petit peu tout cela, c'est un autre débat, mais qui n'est pas l'autre. À côté de la formation des élites, c'est aussi quelque chose de fondamental et qu'il ne faut jamais oublier. Les universités, et ça se voit peut-être mieux dans d'autres pays du monde qu'en France, c'est le lieu principal de la recherche. Hein, 80% de la recherche est faite dans le cadre universitaire. On a tendance à l'oublier, être fasciné par des organismes de recherche. Quand on est à Grenoble, on ne voit pas l'université, on voit le CEA en grand comme ça. C'est au sein des universités que l'essentiel de la recherche se fait. À l'étranger, c'est encore plus évident, parce qu'on n'a pas inventé à l'étranger les grandes écoles, les organismes de recherche spécifiques, et tout est dans l'université. Au Canada, c'est l'université, ou alors c'est l'administration qui fait des recherches, mais c'est l'université. Et je crois que c'est important de le souligner, parce que ça va peut-être être un des déclencheurs de notre espace, c'est peut-être la recherche. Alors, troisième volet de l'université, il est nécessaire de dire que l'université a un rôle dans le contexte international. L'université française s'est enorgueillie pendant des années et des années d'être la formation des élites de pays étrangers. Pas toujours à bon escient, hein, parce qu'on a eu Pol Pot, Kadhafi, et d'autres personnages, mais on a eu aussi de grands noms de la vie politique de nombreux pays, même des pays voisins. Bon, donc, le côté international est important. Parce que, petit à petit, et vous avez évoqué cette liste bizarre qu'on appelle la liste de Shanghai, l'université est devenue aussi un critère de reconnaissance, non pas d'un niveau, mais pour certains si, mais de reconnaissance de ce qu'est l'université. Et c'est vrai que, bon, quand on est dans un pays, combien d'universités sont dans la liste de Shanghai, quel est leur rang ? Heureusement, à Grenoble, on en a une, ça va, sauvé. Mais c'est important. Alors, ce qui est aussi important, c'est le rôle d'influence du monde universitaire. L'attractivité d'un pays est calculée au nombre d'étudiants, je ne sais pas, mais au moins de doctorants qui viennent dans le pays. Avec là des jeux étonnants, comment les États-Unis d'Amérique maintiennent leur niveau de recherche, c'est très simple. 80% des doctorants aux États-Unis viennent, ils vont les piquer de par le monde. Au Canada, bon, je viens, 70% des plus hauts chercheurs canadiens, c'est pas compliqué. Au Canada, on dit, tiens, on devrait faire des recherches en nanotechnologie sur la biologie. Très bien. On prend la liste des grandes publications internationales. Ah, il y a un tel en Allemagne, un tel en France, etc. On envoie une équipe et tout de suite, je vous offre une très belle maison avec grand jardin pour vos enfants, le triple ou le quadruple du salaire du plus haut niveau français, et une garantie de recruter des assistants pour vous aider, et ce que j'ai vu en Chine encore mieux, la même chose en Chine, mais là, on vous dit, l'année prochaine, vous aurez deux grands bâtiments pour votre recherche, et bien entendu, toutes les facilités internationales. Bon, je ferme la parenthèse, mais c'est ça aussi la réalité qui est celle du monde universitaire. Si je dis ça, c'est parce que ça va jouer un rôle dans notre démarche. Donc, ça, c'est un contexte, c'est un certain nombre d'éléments. Face à ça, si vous vous souvenez du traité de Rome, je vous mets au défi de trouver le mot
université dans le traité CEE. Mais, il y a une ébauche dans le traité Euratom, qu'on peut retrouver, mais alors là, je veux dire, là on pinaille, c'est comme l'entomologiste qui se dit, essayer de rechercher quelque chose d'impossible à retrouver. Bon. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'espace européen, à son origine, n'abordait pas l'éducation, puisque l'éducation était, je dis, une sorte de réserve nationale, comme d'autres sujets, comme la culture, avant qu'on l'introduise dans le traité, c'était considéré comme n'étant pas lié à l'économie, puisque c'était un traité de liberté, mais liberté autour de l'économie. Bien. Alors, comment on en est arrivé à cet espace? Avant de parler de l'espace, on va débattre. Alors, d'abord, il y a eu un gros facteur qui est Euratom. Moi, j'insiste là parce que le Centre commun de recherche a été l'ébauche de quoi? Ben, l'introduction de la recherche. C'est-à-dire que la communauté européenne, au sens pluriel, a pu s'intéresser à des thèmes de recherche. Donc la recherche est entrée dans le champ de compétences, certes uniquement par des financements, sauf à ISPRA où la communauté faisait des recherches en propre. On est dans le nucléaire, donc ça pouvait se justifier. Mais c'était un début d'ingrédient. Et puis le deuxième début d'ingrédient, c'est mon voisin qui fait encore du droit communautaire, moi j'ai malheureusement fait des années, j'en fais plus, c'est quelque chose de fascinant, c'est la Cour de justice des communautés européennes, puisque pendant longtemps, et moi je me souviens, ayant eu quelques responsabilités administratives, j'ai dirigé le cabinet de présidence de Paris 1, j'avais des problèmes pour expliquer qu'un étudiant allemand, il devait avoir pratiquement les mêmes droits que les Français. Et on me disait à la préfecture de police de Paris, non, nini, le traité de Rome ne s'applique que dans le cadre du travail. Un étudiant, est-ce qu'il travaille? Je crois que dans les conceptions maintenant, étudier dans l'université, ça devient du travail. Mais à l'époque, c'était, vous imaginez, la préfecture de police, dans ces cas-là, ça va plutôt dans le sens à restreindre tout. Bon. Et qu'est-ce qui se passe? On a une affaire stupide. Des étudiants français du nord de la France qui vont faire leurs études en Belgique. Les Belges s'en plaignent un peu d'ailleurs parce que ça fait surcoût. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'ils font pour essayer de limiter les dégâts? Ils font payer un droit de Minerve. C'est curieux parce que le mot Minerve, c'est le truc qu'il y a sur l'argenterie. Enfin, c'est curieux. Bon, un droit de Minerve, c'est un droit spécial qui est différent de celui que payent les Belges. Mon Dieu. Et la Cour de justice va dire, par un arrêt, à mon avis, très discutable, dans sa fin, parce que je suis tout à fait d'accord avec la fin, mais le raisonnement est un petit peu, à l'époque, tiré par les cheveux, si je peux dire, puisque l'arrêt débouche sur, bien entendu, l'éducation rentre dans le champ, puisqu'il s'agit d'une liberté de circulation liée toujours au travail, puisque faire des études, ça consiste à se préparer à exercer un travail. Donc, vous voyez, c'est un petit peu le rapprochement de la cause et de l'objet. Enfin, en droit, c'est quand même une bonne construction, mais qui au départ n'était pas si évidente que ça. À partir de ça, bon, on rentre dans un champ et l'éducation est dans le champ. Sauf que l'éducation est dans le champ, la communauté n'est pas un acteur du système éducatif. Et là, c'est le deuxième volet, après avoir dit qu'on était dans le champ, c'est-à-dire qu'on peut en parler, on peut en traiter. Comme ça, d'ailleurs, qu'on va avoir, pour faciliter la liberté de circulation, ce que notre ami a évoqué tout à l'heure, ce Erasmus, qui est un phénomène extraordinaire, mais qui est tellement phénoménal que ça marche trop bien. On ne sait plus comment faire. Enfin, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais ce n'est pas le cœur de notre sujet. Et petit à petit, rentre dans les esprits, au fond, les universités, on va peut-être faire quelque chose, ceci étant, et c'est là où il y a quelque chose d'assez particulier. Vous voyez, on va faciliter la liberté de circulation, on va avoir les programmes communs de recherche et PCRD avec leurs numéros qui se répètent. Les deux phénomènes, liberté de circulation et recherche, vont finir par créer une sorte d'alchimie. Sauf que la communauté européenne
même si on va créer une direction avec des services sur l'éducatif et vaguement l'université, n'a pas déclenché quelque chose en soi. Et c'est là où on pourrait avoir une réflexion sur la méthode de la construction communautaire, puisque c'est en fait par l'intergouvernemental qu'on va réussir ce qui, à mon avis, est actuellement une des plus belles réussites de la construction communautaire. Alors, on pourrait discuter, mais je crois que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Pourquoi je dis que c'est intergouvernemental ? Parce que c'est le résultat d'une action volontariste d'un groupe d'États, puis petit à petit, ça a tellement été une réussite que vous n'avez plus d'États européens qui sont en dehors du système. Alors, vous aviez évoqué la Sorbonne. Mmh. Eh bien, moi, je suis désolé, tout le monde parle du processus de Bologne. Moi, je parle du processus de la Sorbonne-Bologne. Je suis un peu cocorico. Bon, et donc, le 25 mai 1998, il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Vous voyez, nous sommes on le vit encore maintenant, hein, c'est assez récent. Eh bien, on réunit qui ? À la Sorbonne, bien entendu, parce que ça fait bien. Donc, les grands pays. Allemagne, Grande-Bretagne, France et Italie. Acatuor qui est, si on réfléchit, Conseil européen restreint, ben, on retrouverait eux et peut-être la Pologne qu'on rajouterait pour faire équilibre avec l'Est. Mais c'est le noyau dur, le noyau incontournable et... Il ne s'exprime qu'en tant que ministre. Il ne s'exprime pas au nom des États, ni au nom de la communauté européenne. Sauf que, il lance un processus, c'est le principe d'une harmonisation de l'architecture du système européen d'enseignement supérieur. Alors, ces mots sont étranges. Harmonisation, déjà, on pourra avoir des débats de juristes, harmoniser, ça veut dire que chacun a son système, mais qu'on les fait se converger et les rendre compatibles. C'est-à-dire qu'on n'impose pas un système unique du haut, ce qui va permettre qu'on avance. Vous savez, les Français sont parfois rétifs à ce qui vient de la communauté européenne. Donc, tout en étant le moteur du système, on est aussi les plus... Bon, enfin, on ne va pas faire ce sujet-là, c'est pas le sujet. Bon. Donc, harmoniser. Alors, harmoniser l'architecture. Qu'est-ce que ça veut dire, l'architecture ? Alors l'architecture, ça va consister à essayer d'identifier quels sont les éléments, les paramètres qui vont permettre quoi ? À la fois la liberté de chaque État à maintenir son système, public, privé, mais en même temps permettre la circulation des élèves, permettre qu'il y ait une homogénéisation, c'est-à-dire que les systèmes puissent se correspondre l'un l'autre. Puisqu'auparavant, les années ne correspondaient pas, les durées ne correspondaient pas, et puis, et c'est la grande différence qu'on va avoir avec le monde anglo-saxon, quand on est dans le monde anglo-saxon et qu'on est inscrit dans une université, ben, on ne gagne pas des points pour aller dans une autre université. Le système anglo-saxon tel que j'ai vu aux États-Unis ou au Canada, c'est un système fermant. Vous pouvez faire un cycle dans une université et un autre cycle dans une autre université, oui, mais vous ne pouvez pas bouger d'une université à l'autre facilement. Pour une raison très simple, hein, c'est qu'on se dispute les élèves et les étudiants parce qu'on les fait payer des sommes relativement considérables, ce qui n'est pas encore complètement le cas en Europe, même si ce dossier-là, on pourra peut-être l'aborder à la fin, où il y a quand même un vrai problème, mais qui est un problème plus général de la crise du soutien de l'État aux universités, pas en France. En tant qu'acteur, je ne pourrais pas dire autre chose. Bien. Alors, processus de Bologne, j'ai dit 98. 99, juin 99, on est à Bologne, après Paris. Bologne, une vieille petite ville, mais une université de notoriété, dont on parle beaucoup. Et donc, à Bologne, en 99, on est 29 pays représentés. Et puis, après, je ne dis plus, parce qu'après Bologne, ça va être Prague. En 2001, il y en a 32. Puis après Berlin, 40. C'est-à-dire que, grosso modo, actuellement, je m'arrête là-dessus, on a élargi le cercle pour créer,
je peux le dire, un espace, l'espace européen. Et cet espace européen, alors il est à la fois un espace européen de l'enseignement supérieur, mais il y a, en même temps, il se superpose, et pas forcément avec les mêmes pays, il y a des subtilités, espace européen de recherche. Alors, avant de rentrer dedans, pourquoi on l'a fait ? Pour assurer en interne la libre circulation. Mais on l'a fait aussi, et je crois que c'est important de le dire, parce qu'on a un défi mondial. Ce défi mondial, pour beaucoup de pays comme la France, c'est le maintien, je ne dis pas la défense, je dis le maintien de l'université avec un grand U. On a une chance en France, et on est sans doute le seul pays, le seul grand pays de l'Union européenne à avoir eu cette chance, c'est d'avoir préservé l'université publique qui, je dirais, est la garante de l'enseignement le plus ouvert, le plus général. Dans la plupart des autres pays, je vois l'évolution navrante d'un pays que je connais bien qui est l'Italie, où à force de restreindre les moyens du public, on a quelques créations d'établissements privés qui sont plus souvent des succursales d'autres pays, et c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même système. Donc l'idée au départ, c'est de, non pas de se défendre par rapport au reste du monde, mais d'affirmer quelque chose, d'affirmer une vision du monde universitaire, et ça je crois que c'est important de le souligner, parce que c'est jamais neutre. Et avant d'aller plus loin aussi, qu'est-ce qui va se passer ? On va mettre en place un système, on va utiliser des mots, LMD, semestrialisation, ECTS, on va vous dire ce que c'est, mais qu'est-ce qui se passe ? Et c'est fascinant. Donc, on a dépassé les 40 États, dont l'espace européen, et puis j'ai pu voir, quand j'ai exercé mes responsabilités, j'étais à la conférence des présidents de l'université, j'étais responsable de l'international pendant presque 4 ans, et j'ai pu voir comment tous les pays du Maghreb copient le LMD. Comment des universités américaines, canadiennes, du sud-est asiatique copient le système LMD. Alors c'est fascinant parce que si vous voulez, l'Europe est devenue une forme de modélisation. Alors pourquoi ? On peut s'interroger. On peut dire c'est parce qu'on est les plus beaux, les meilleurs, et qu'on a sur le fond l'essence de ce qu'est le monde universitaire. Je ne crois pas qu'il y ait que ça. Il y a surtout le fait d'être en corrélation avec le système où il y a le plus d'universités. C'est très clair. Moi, j'ai vendu le système LMD dans un pays particulier qui s'appelle la Colombie, parce que j'aurais dit, mais si vous faites comme nous, c'est très simple, vous avez une entrée dans toutes les universités européennes. C'est clair. Et donc, pour les cycles, vous pouvez venir 2 ans, repartir, et ça sera tout seul. Et c'est ce qu'ils ont fait. Je dirais que là, il y a quelque chose d'intéressant. Alors, quel est le contenu ? Pour aller vite, et après, peut-être laisser ma voisine être un peu plus concrète. L'idée, alors, ça a été quand même très dur. Parce que l'université française était soumise, comment dire, à ces vieilles traditions. Chaque discipline sait mieux que tout le monde comment il faut être, n'est-ce pas ? Les juristes avaient la licence en 4 ans, on n'avait pas les mêmes armes, même en France, on n'avait pas les mêmes durées en fonction des études. On n'avait pas exactement les mêmes systèmes. Il est évident aussi que quand on fait une thèse de science, on est dans un laboratoire, on est payé et on peut la faire en 3 ans. Quand on est un juriste et qu'on fait autre chose à côté, on met un peu plus de temps, je ne sais pas combien de temps j'ai fait pour faire ma thèse. Bon, et alors quand on fait une thèse en sciences humaines où on doit être tributaire par exemple des champs de fouilles quand on est en archéologie et qu'on ne peut profiter que d'un mois par an d'été si on va fouiller en Syrie ou je ne sais pas où, vous imaginez la durée. Le problème, c'est que on sait plus. En France, on a dû harmoniser tout et donc on a mis comme une sorte de corset au système, mais rassurez-vous, en France, on est très doué pour faire des corsets avec toujours des dérogations. C'est-à-dire que
le fil du corset, on peut le détendre de temps en temps et on sent à peu près mieux. Bon, et donc, LMD, ça veut dire quoi? Licence, master et doctorat. Une licence se fait en 3 ans, un master en 2 ans et le doctorat officiellement en 3 ans. Je dis officiellement parce que de toute façon, si jamais on a une allocation de recherche pour faire sa thèse, on l'a que pour 3 ans. Bon. Ce qui est quand même un peu contingent et oblige un petit peu à se resserrer. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans tous les pays, on est arrivé à cette épure-là. 3, 2, 3. Sachant qu'il y a quelques disciplines erratiques qui sont défendues. En Italie, en Espagne et en France, ça a été un peu le même combat. Des juristes. Ils ne voulaient pas rentrer dans trop ce carcan. Mais c'est un peu toujours les mêmes, d'ailleurs, qu'on connaît. Bon. Bien. Et le système a marché. Mais il a marché. On va voir pourquoi. Deuxième élément de cette Europe, la semestrialisation. Pourquoi? Ben, les Allemands n'avaient pas du tout le même calendrier que les Français, qui n'avaient pas le même que les Italiens, et que donc, si vous voulez, dans la mobilité, si on n'a pas à peu près les mêmes calendriers, ben, on perd une année, ou alors on ne sait pas ce qu'on fait. Et puis, la circulation des étudiants, c'est très bien, mais alors... En effet, l'auberge espagnole est très intéressante. Erasmus permet la mobilité, mais ça permet, moi j'ai vu des étudiants de mon université, que j'ai présidé, je ne sais pas pourquoi ils voulaient tous aller en Espagne. C'était sans doute des périodes très agréables pour eux. Mais Erasmus ne débouche pas forcément sur la prise en compte de l'Erasmus. Alors il y a parfois des accords pour qu'on prenne en compte des matières. Mais la liberté de circulation n'était pas toujours gagnante, au sens où on n'avait pas forcément des ECTS. Maintenant, avec le système LMD qu'on a mis en place, si vous allez dans deux temps, il y a des accords, ça se calcule, chaque matière est comptabilisée, alors là, des trucs parfois incompréhensibles, bon, peu importe, et donc vous gagnez des ECTS. Et ces ECTS... vous les ramenez dans votre université, donc ça rentre dans votre cursus. Du coup, vous avez un double intérêt, vous allez dans un autre pays. C'est toujours utile d'aller dans un autre pays. D'abord, ça permet aussi peut-être de parler un petit peu autre chose que le français. Pas toujours, mais bon. Mais ça permet aussi de ne pas perdre de temps dans ses études. D'où le double intérêt. Alors, je dirais que si vous faites harmonisation de la durée LMD, la semestrialisation qui permet d'avoir des calendriers qui se cohabitent et le droit de garder de gagner des notes dans ces cursus, vous avez les bases, vous avez les ingrédients. Alors, après ces ingrédients, bah, il faut que ça aille plus loin. Alors, ça va plus loin comment? D'abord parce que la communauté européenne et les États et les collectivités locales, les régions ont beaucoup aidé, la région Rhône-Alpes est parmi les principales d'ailleurs, dans ce sujet, ont accompagné la mobilité. Erasmus est une grande réussite. Bon. Alors moi, mais ça ne suffit pas encore, à mon avis. Moi, quand j'étais à la conférence des présidents de l'université, j'ai organisé la conférence annuelle de la conférence des présidents de l'université il y a quelques années, c'était sur justement l'international, il y avait un volet européen. Et je pense qu'un étudiant qui va jusqu'au master devrait avoir fait au moins, je dis au moins, un semestre entier dans une université à l'étranger. Ça me paraîtrait, moi, tout à fait normal. On commence à arriver à un pourcentage important, mais ce n'est pas aussi systématique qu'on ne le voudrait. Alors, il y a eu Erasmus pour la liberté de circulation en formation initiale. Il y a eu le programme Leonardo. Il y a d'autres choses. On n'est pas là pour faire le catalogue. Mais mettons que l'Union européenne a mis des moyens, les États ont accompagné, les collectivités locales ont joué le jeu. Pourquoi? Eh bien, pour tout le monde, la liberté de circulation étudiante, un petit peu enseignante, faut pas l'oublier non plus, eh bien, c'est l'ouverture de l'université. Si on veut une certaine émulation, et dans certains domaines,
Je pourrais prendre les exemples de certains domaines très technologiques qu'on a à Grenoble. La confrontation est internationale, c'est les réseaux internationaux qu'il faut mettre en place. Si vous êtes dans certains secteurs, c'est par l'international que vous allez vers le haut. Sinon, si vous n'avez pas une dimension internationale, des relations internationales, si vous n'avez pas devenir des chercheurs internationaux, eh bien, vous risquez, au bout d'un moment, de rester un petit peu enfermé sur votre copie et pas aller très très loin. Alors, à quoi on aboutit derrière tout ça? On aboutit à un véritable espace attractif, puisque tous les pays du monde, même les Chinois, regardent notre système. Alors évidemment, les Chinois, c'est pour d'autres raisons. Ce sont des prédateurs, les Chinois. Ils sont là pour prendre notre savoir, et puis après, ils ne sont pas là pour coopérer, ils sont là pour nous piquer des choses. J'ai une vieille expérience du monde chinois. J'ai failli aller m'installer en Chine à un moment donné. En plus, j'aime beaucoup la Chine. C'est hors sujet. Mais l'idée qu'il y a derrière tout ça, c'est que l'espace européen doit être un espace d'émulation des universités, un espace d'émulation pour les jeunes qui sont dans les universités, et peut-être aussi un espace pour mieux penser quand on est enseignant, parce qu'il faut aussi savoir qu'il y a un extérieur. Je rajouterais que je vous ai parlé de Paris-Bologne, mais il y a aussi Lisbonne. Alors Lisbonne s'est raccrochée un petit peu plus tard, et si je l'évoque, c'est parce que c'est vraiment une étape nouvelle. Le LMD, c'est la formation initiale. La recherche s'inscrit dans l'accompagnement, le complément, l'aboutissement de l'enseignement supérieur. Or, Lisbonne introduit quelque chose qui n'était pas encore en jeunesse quand on a fait Paris et Bologne. Lisbonne, c'est ce que nous appelons maintenant en France l'éducation tout au long de la vie. C'est la professionnalisation du monde universitaire, c'est une dimension encore plus large de l'espace européen d'enseignement supérieur et de recherche, et qui revient aussi à rappeler qu'il y a une sorte de continuum. Ce continuum, il commence à 2 ans quand on va à la crèche, et il termine, je ne sais pas quand, quand on n'a plus lire, je ne sais pas, mais c'est-à-dire que c'est un continuum complet qui va l'école, l'université, la recherche et bien entendu, ce qui est une exigence pour se tenir au courant dans certaines disciplines, les enseignants, on est obligé, surtout quand on est assez inconscient pour faire du droit communautaire, hein, Catherine, quand on fait du droit communautaire, ça change, je ne dis pas que ça change tous les jours, mais on en rajoute un peu tous les jours, donc il y a des disciplines comme ça que l'on croit statiques. Peut-être que l'histoire du droit est plus statique, et encore, on innove même en histoire du droit. Donc, si vous voulez, là, ce que je veux dire, c'est que le processus Paris, plutôt Sorbonne, Bologne, Lisbonne, essaye d'appréhender et donner une dimension la plus totale sur l'enseignement et la formation, ça inclut la formation professionnelle, bien entendu, mais là, c'est plus logique, c'est plus lié au traité de Rome de départ, hein, et avec, je dirais, une grande réussite globale. Alors, pardon ? Bon, je vais m'arrêter, comme ça il y aura des questions. Ben voilà, ben c'est okay. Ça, non, non, l'échange. Voilà, tout à fait, non, en plus je préfère les échanges. Ok, bon, voilà, à vous. Parce que ça, c'est la conclusion, là. Non, mais la conclusion, ça sera après. Beaucoup de choses ont déjà été dites, mais ça me permettra d'être pas trop longue non plus. Et je vais essayer de retrouver ma présentation. Voilà. Donc, après cette présentation de la construction de l'Europe des universités, je vais vous parler d'un exemple grenoblois, l'Université des sciences sociales, rebaptisée depuis 91, Université Pierre Mendès-France. Donc, ça sera un point de vue historique cette fois-ci. Le postulat, c'est que pour moi, l'Europe des universitaires, c'est à la fois l'élaboration d'un modèle européen d'éducation et de formation, mais c'est aussi un engagement militant des universitaires.
Et donc, je vais parler de la cité des sciences sociales à travers l'exemple des économistes, des juristes, politistes, urbanistes, etc. Donc, mon propos se divisera en trois parties. L'Europe des pionniers, de 1948 à 1984. L'européanisation de l'université, on va dire de l'acte unique à la veille de la déclaration de la Sorbonne. Et enfin, le défi de la mondialisation, donc jusqu'à nos jours. Donc, l'Europe des pionniers. J'aimerais rappeler ce fameux congrès de La Haye, donc de 1948, qui a rassemblé plus de 800 personnes. Et dans la commission culturelle, il était question à l'époque de former une élite européenne pour notamment diffuser l'idéal européen. Et à la suite de ce congrès a été créé donc, le mouvement européen. Et l'idée était de former cette élite au sein d'instituts. Donc le plus fameux est certainement le collège de Bruges. La commission des communautés européennes, dans les années 60, a essayé de médiatiser, on va dire, la construction européenne. Donc autour de Jean Monnet, il fallait sensibiliser les universitaires à cette construction, à travers donc, le service de presse et d'information. Ici, donc, c'est la photo de Pierre-Henri Tegen, hein, qui a été contacté par le secrétaire de la commission Emmanuel, afin qu'il rassemble les facultés de droit et d'économie au sein de la CDS. Ça existe toujours. Qui existe toujours. donc, dans les facultés grenobloises, faculté de droit, d'économie et de lettres, il faut se remettre un petit peu dans le climat de l'époque, hein, avec donc, notamment une faculté d'économie qui avait un très fort rayonnement tiers-mondiste. Avec le regretté Gérard Destin de Bernis, voilà, qui vient de disparaître. Et donc, il y avait le doyen Jean Moyer qui s'est chargé de la promotion de l'idée européenne. Il a donc introduit un enseignement dès 1962, ce qui était donc, pionnier, puisque je crois que l'arrêté gouvernemental date de 1964 pour un enseignement européen en licence. Et il a surtout favoriser la naissance de laboratoires, donc le QRP, dirigé par Marie-Angèle Perron-Moirel en 1965, sur l'étude de la propriété industrielle en Europe, et le fameux QRI, donc animé par Louis Rebourg, Claude Bert, un centre de recherche pluridisciplinaire sur l'Europe. Il y avait aussi un souci de mobilité et de réconciliation. Alors, Grenoble a une très forte tradition franco-italienne avec la création des instituts culturels. Hein. Et donc est né en 1969 le CRIPA, qui déjà favorisait les échanges d'historiens notamment. Également a eu lieu le premier accord universitaire franco-allemand en droit, et Catherine Schellner, ici présente, pourrait très bien en parler, avec notamment le doyen, le professeur Collia, c'est une de ses initiatives. Donc, premier accord franco-allemand, je crois que c'était en 1959. Et également en réseau avec la République démocratique allemande, avec Halle, qui était assez inédit à l'époque. Donc mai 68, c'est la révolte d'une jeunesse étudiante à l'échelle européenne, et donc la réforme du système universitaire en France avec la fameuse loi Edgar Faure qui avait d'ailleurs participé au congrès de La Haye. Donc c'est la disparition des facultés, la mise en avant de l'interdisciplinarité, et la mise en avant d'une coopération internationale, européenne essentiellement d'ailleurs, puisqu'il souhaitait voir l'amorce d'une communauté universitaire, intellectuelle et européenne. Donc, c'est la naissance de l'université des sciences sociales, mais président Clermont est là. En 1970. Et déjà, dans les statuts d'université, apparaît cette dimension européenne. Est organisé d'ailleurs à cette époque, donc dès 1970, un très grand colloque qui rassemble 300 participants sur la coopération des universités en Europe. On a choisi Grenoble en tant que symbole des Jeux Olympiques, symbole d'une mairie dynamique avec Hubert Dubedoux. Et donc ce colloque se fait avec le soutien de la Commission européenne, le fameux service d'information. On a choisi pour titre la coopération des universités en Europe, par opposition au débat à l'époque sur une université unique. Vous aviez parlé du traité Euratom qui prévoyait la création d'un institut universitaire, qui viendra donc l'Institut de Florence. Et on parle déjà d'une Europe au sens large.
Donc, il y a des idées très novatrices sur l'organisation de la mobilité qui sont valables aujourd'hui. Donc, on veut promouvoir la coopération, la conscience européenne et la dimension sociale. Quant à l'organisation juridique, on parle déjà de système de crédit, de système de bourse, d'organisation institutionnelle, de réseau qu'on appellerait EURIDIS aujourd'hui pour l'information notamment. Et ce colloque a un certain écho au sein de la Commission. Donc, on parle maintenant des premiers programmes communautaires d'éducation, les ancêtres d'Erasmus, promus par un Gallois, Raywell Sirrie Jones, qui est chef de la division pour l'éducation au sein des communautés. Pour lui, l'éducation est le pivot des communautés, elle doit créer un sentiment d'appartenance. Et il est pour l'organisation d'une Europe des universités par la base. Donc, il met en place des programmes communs dès 1976, reçoit un petit budget, à son goût, 14 millions d'écus pour 3 ans, budget géré d'ailleurs par une fondation privée, la Fondation européenne de la culture. Et donc, en 1976, à l'échelle européenne, donc, il y a déjà 25 000 étudiants qui participent à ce programme. À Grenoble, des accords multilatéraux naissent, donc par exemple celui entre Grenoble, Kingston et Mannheim, tandis que le professeur Montagnier met par exemple en place une maîtrise option droit anglais, les 81. Ce sont essentiellement les juristes, les économistes et les historiens qui s'impliquent dans cette aventure. Au niveau de la recherche, il s'agit donc de construire le marché commun, donc le QRI, réfléchir sur la politique douanière, sur la politique régionale avec les CRIPAN, est évoqué aussi la politique de l'énergie au sein de l'UGE. Et même des économistes sont employés en tant qu'experts à la Commission. Il s'agissait déjà d'un premier think tank sur la politique de l'emploi. Tandis que le CETI voit le jour en 1977, sous l'impulsion de Jean-François Guillaudis, et réfléchit à l'idée de sécurité et de défense. Il s'agit également d'écrire l'histoire, et donc est organisé à l'éclat du comité franco-italien d'études historiques, fondé par Jean-Baptiste de Roselle et Enrico Serra. Donc, est organisé notamment un premier colloque sur l'histoire de l'Italie et de la France pendant la Première Guerre mondiale, en 1973, à une période où l'Italie avait du mal à examiner ce passé aussi proche. Et enfin, il s'agit de former des Européens, donc avec des cours d'été au QRI, et préparer notamment les Grecs à l'adhésion, en 1981. Il y a également des liens avec l'autre Europe, donc sous l'influence de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, avec la fameuse conférence d'Helsinki. Et donc il y a un engagement des chercheurs grenoblois, de l'IRAPD notamment, par le biais de l'UNESCO, qui mène une recherche comparative sur l'agro-industrie. Le réseau du QRP en propriété industrielle s'étend, à partir d'une conférence à Bruxelles. Et puis, à Paris, en 82, le réseau, le centre de recherche Urgence, qui déploie une expertise en économie socialiste. Donc, c'est Yvan Sanson et Vladimir André qui sont les deux. Voilà, maintenant, deuxième étape de l'européanisation de l'université. Avec l'acte unique et le traité de Maastricht, on assiste à une véritable relance de la construction européenne. Et donc, les universitaires, chercheurs de grenoblois s'impliquent de plus en plus. Réfléchissons à l'environnement avec la clinique, la propriété industrielle, à l'union économique et monétaire avec le traité de Maastricht, à la politique culturelle, à la politique régionale, tandis que se déploie une dimension franco-allemande, dans le domaine de la santé notamment, pour le Schaubert de l'Institut d'études politiques. On voit une européanisation de l'université d'été, avec l'impulsion du gouvernement en 1989, l'université européenne devient un pôle européen. Sont mises en place des chaires et des modules Jean Monnet par la Commission dès 1990, tandis qu'est créé un espace Europe qui rassemble les chercheurs. Voilà, et donc ça développe également un militantisme. Alors nous parlions d'Erasmus. Il faut savoir que c'est un programme qui a nécessité une longue bataille juridique, menée par Raywell Sirrie Jones et Alan Smith, qui a inventé l'acronyme. Cette fois-ci, il s'agit de 85 millions d'écus promis pour la période 87-89, avec pour condition la réciprocité des échanges et la reconnaissance académique. Et donc, le traité de Maastricht institutionnalise l'éducation. L'université de France est très réactive.
Il est vrai qu'il y a aussi le rayonnement de l'université de Saint-Bal avec Jean-Claude Buchot qui organise les journées Erasmus. Les historiens ici présents, je crois que nous avons Madame Bichert, Claude Bertrand, Gilles Bertrand, pardon, qui se sont occupés du programme pilote ECTS. Donc, Grenoble a été choisi avec Paris pour mettre en place ce système de crédit. Et c'est l'envol des échanges, là, vous avez des chiffres sur nos étudiants. La région Rhône-Alpes joue un très grand rôle avec notamment son réseau, les quatre moteurs qui regroupent le Bade-Württemberg, la Lombardie, la Catalogne. Donc on peut parler de l'impulsion d'Alain Mérieux notamment. Et une politique de bourse hein, qui facilite vraiment le départ à l'étranger des étudiants. Voilà. Il faut aussi noter la chute du mur, l'effondrement de l'URSS. Et c'est vrai qu'à Grenoble, il y a une très forte mobilisation pour les programmes Turnus, en direction de Moscou notamment, je vous parlais de l'insertion tout à l'heure, en direction de l'Ukraine, et des réseaux qui se créent, comme le réseau des pays de Visegrad, amené par Claude Martin. L'européanisation de l'Institut d'études politiques, eh bien, nous avons un acteur de poids ici. Son prédécesseur la commence doucement, donc Jean-François à Bercy, en demandant à Jean-Pierre Bonne de créer un enseignement européen. Et donc Henri Oberdorf, lui, met en place une européanisation, on va dire, plus systématique d'enseignement européen. Il y a aussi un militantisme étudiant qui se développe avec Osez l'Europe, EGE Grenoble, les Jeunes d'Europe et la mairie aussi de Grenoble qui appuie certaines initiatives comme Horizon 92 qui est chargée d'accueillir les étudiants étrangers. Donc c'est Jean-Claude Buchot qui organise ça et le fameux comité pour Maastricht aussi. Voilà, donc maintenant l'Europe des universitaires face à la mondialisation. Donc, je crois que je passerai très rapidement, puisque vous avez expliqué les deux approches. À Grenoble, on a eu deux promoteurs, François Petit, le président François Petit, qui a fait partie de l'équipe de Jacques Long, qui a été chargé de mettre en place de la licence. Et puis, Jean-Luc Lambollet, un historien, qui s'occupait du programme Tuning, qui a joué un rôle actif. L'espace européen de la recherche, donc, j'ai pris... la recherche monopole sur l'innovation pour montrer finalement qu'elle a amené les sciences sociales à collaborer, par exemple dans le domaine des nanotechnologies, avec des programmes sur ce qu'on appelle l'intelligence ambiante, donc des collaborations avec Minatech, ITIS Lab, donc Humanware. Ici, vous avez un exemple d'une simulation permettant de retenir, d'enregistrer vos émotions quand vous faites du ski et de les restituer après. Mais il y a aussi donc, l'espace européen de l'enseignement supérieur, donc le Centre Grenoble d'excellence Jean Monnet, j'ai parlé de Catherine Schneider ici, et avec l'organisation d'universités d'été, des conférences, le Master Europe créé par Henri Oberdorf, qui en 2004 concernait la gouvernance, l'intégration et l'intelligence. Voilà, donc pour la mobilité, pour vous donner un petit peu une idée à la mobilité, je n'ai pas eu plus récent comme chiffre entre 2004 et 2008. On voit que donc, l'Europe est quand même. Et il y a aussi la volonté de rendre le site Grenoble plus visible avec un changement d'échelle, la création de l'Université de Grenoble, une recherche de plus en plus encadrée dans le programme cadre de recherche et développement, contractualisation avec la région notamment, et la mise en place de clusters. Une recherche de l'excellence également et des réseaux européens de plus en plus importants. On essaie de rayonner avec les programmes Erasmus Mundus, une réponse à le programme Fulbright, certainement, c'est-à-dire, et la mise en place aux mobilités internationales. Le cluster, c'est quoi ? Cluster, c'est un regroupement thématique de la recherche. Je crois qu'il y en a 12 qui ont été identifiés par la région Rhône-Alpes et qui sont financés. Peut-être qu'on aurait des exemples en histoire, Gilles Bertrand. Donc il y a 14 clusters 14, oui. Qui regroupent au sein de la région Rhône-Alpes des pôles des centres de recherche de différentes autour de thématiques qui les rendent communs. Pour les sciences humaines ou sociales, il y a un secteur numéro 13 qui s'appelle Création, Culture, Patrimoine, où se retrouvent des littéraires, des historiens, des disciplines juridiques. Voilà, il y a une spécificité.
équipements médicaux. Les sujets, c'est l'idée de la grappe. La grappe. C'est le mot français qui correspond au terme de cluster. Donc, regrouper des énergies géographiquement situées en différents points à l'intérieur d'une même région. Avec d'importants financements que la région accorde, qui sont distribués selon les critères propres à la région. Donc, j'ai intitulé ceci des universités à long temps, on va dire des projets, des actions européennes, hein, donc une réflexion sur les institutions, conduite par Jean-Luc Hermon, aussi Boris Croizat, sur le fédéralisme notamment. Pour la citoyenneté, c'est vrai que les résultats du référendum sur le projet de constitution européenne ont amené un engagement des politistes ou politologues, je ne sais pas ce qu'on va enflammer. Florence Chantiel a écrit donc pour la naissance du peuple européen, c'est aussi la naissance de la section iséroise du mouvement du PEG en mars 2006. C'est l'engagement pour l'Europe sociale, une réflexion sur l'égalité hommes-femmes, sur la création d'un observatoire sur le non-recours au droit. Le développement durable, ici on a un chercheur qui s'appelle Patrick Criqui et qui inspire énormément la politique de la Commission en la matière. La réflexion sur la post-carbon society, la société post-carbon. La question turque également est largement évoquée par Jean-Paul Guéry, Monceau, Yves Chemel au sein du GRES. Le pan-européanisme avec Yvan Sanson qui s'est penché sur l'espace économique européen commun à travers la rédaction d'un gouvernement. Catherine Chédard, ce serait plutôt l'aspect juridique. Voilà, donc j'arrive à ma conclusion. L'Europe des universités et les défis. Donc, quelle université dans l'Europe ? On parle maintenant d'un projet de sillon alpin. Donc, on a l'impression d'une université qui grossit dans le monde. Donc, je recherche l'excellence. Quelle Europe de l'éducation ? Le recteur l'a mentionné. L'idée actuellement, c'est l'apprentissage tout au long de la vie. Une mobilité pour tous. Les pionniers, Alain Moussil, qui est très fier de son programme Erasmus, mais regrette que. Malheureusement, par exemple, les droits d'inscription grimpent en Angleterre. On est à 6 000 euros, je crois, pour la rentrée 2012. Et enfin, quelle Europe ? Cette idée d'un peuple européen, j'y dirais à Henri Oberdorf, à quand la maison de l'Europe, qui est un de ses projets. Donc voilà, fin de ma présentation. Merci. C'est le centre de sa formation pour français langue étrangère. Je pense que depuis sa création, ça peut être 100 000 personnes qui sont passées à Grenoble et qui sont essentiellement des Européens. Je crois que ça a été quelque chose qui a profondément marqué là. Bon, deuxième point, peut-être on l'a oublié, sauf que ça donnait quelques noms de place ou de rue à Grenoble, c'est l'action de quelqu'un qui est en même temps moyen de la faculté des sciences et président de l'UNP, enfin, directeur de l'Institut politique de Grenoble. Et adjoint à la mairie, c'est le doyen Bosque. Et c'est le doyen René Bosque qui a le premier fait un réseau européen des universités associées au Grenoble et l'université européenne. Et pour nous donner cachy, le tiers des étudiants, on les prend la suite technique, étaient des étrangers, principalement européens. Et le troisième point, bien sûr, après pas ce temps, c'est bien sûr aussi les instruments européens qui sont là. Je crois que ces trois points sont ceux vraiment qui ont marqué sur un siècle. C'est-à-dire la terminalisation de l'art. Bon, ça, c'est le titre marque. Bon, sur... C'était normal de la part d'un scientifique. Pour équilibrer les sciences sociales. Il faudrait mentionner Michel Soutif également. Je vais revenir aussi sur trois remarques concernant l'intervention du recteur. Bon, la première est la suivante. Pour dire qu'il faut faire attention, je dirais qu'il y a une distance entre les intentions et puis la réalité. Alors, je vais vous donner trois exemples. Ça me prend 3 minutes. Bon, premier exemple, Lisbonne, puis Barcelone. Et Barcelone, c'est l'application à l'éducation du traité de Lisbonne. On dit 50% des jeunes amenés au niveau du premier niveau des diplômes universitaires. Donc on l'a vu tout à l'heure, LMB, on viendra sur LMB tout à l'heure. Bon, quelle est la situation en France ? On est dans une impossibilité. On a 30% de la génération qui a le bac général. Les autres, ou bien s'arrêtent et continuent un petit peu,
Et c'est eux qui auront des diplômes qui seront valorisés. Bon, il y aurait d'autres choses à dire, mais je crois que ces choses-là, il faut quand même les voir. On peut se parler d'Europe, de nos étudiants. Le thème, c'est quand même l'Europe. Hein, c'est une université européenne. C'est très frustrant. L'envoi d'étudiants en Europe, qui vont faire l'expérience de l'Europe. Là, il y aurait aussi beaucoup de choses à dire. Alors, tu peux laisser un peu la parole. Les étudiants, quand ils reviennent, sont extrêmement frustrés parce qu'ils n'auront pas d'emploi à la hauteur. D'accord. On va peut-être laisser nos amis conférenciers à intervenir aussi, ça serait intéressant peut-être aussi, me semble, qu'ils poursuivent. Il faut poser les questions. Bien sûr. Mais là, vous ouvrez d'autres débats qui sont la France dans l'Europe et l'originalité française de son système d'enseignement supérieur. Je vous rejoins tout à fait. On n'a jamais, je ne sais pas à quoi on pourrait remonter, à la dualité Napoléon qui se méfiait des universités et qui a créé, on va revenir sur cet aspect historique qui a déjà été largement développé, mais qui est confirmé actuellement. Actuellement, vous avez un enseignement supérieur et dual en France, c'est évident, mais il faut savoir qu'on est l'un des rares pays à avoir ce système dual qui n'est pas compris des pays étrangers, qui ne comprennent pas bien notre système. Ce qui débouche sur quelque chose d'extraordinaire, même pour les scientifiques. C'est-à-dire qu'en grosso modo, on essaye de pousser. Moi, je suis en train de lancer sur Grenoble un plan de sensibilisation aux sciences dans les établissements. Sauf que les meilleurs de ces élèves qu'on aura sensibilisés, qui devraient théoriquement s'orienter vers l'université après, je sais ce qui va se passer. Ils vont passer un bac, même le meilleur des bacs avec tous les S possibles. Qu'est-ce qu'on va faire? On va leur dire, mais attendez, pas l'université, vous allez en classe préparatoire, à quoi? Aux grandes écoles. C'est-à-dire qu'en fait, les meilleurs, on les oriente en France vers l'excellence, au sens d'un certain mot, mais ils ne feront jamais de recherche. Hein, c'est clair, il faut savoir. Ça sera exceptionnel s'ils font de la recherche. Les élites françaises actuellement, grosso modo, je vais être très méchant, mais grosso modo, depuis l'année 68-70, qui est contrairement à ce qu'on pouvait imaginer des résultats de 68-70, il y a un arrêt d'une certaine évolution, et vaut mieux faire l'ENA que faire trois thèses, ou deux thèses, ou une thèse, c'est clair. Enfin, peut-être moins maintenant, c'est plus tellement à la mode. Mais l'orientation naturelle, elle ne va pas aller vers l'université. Vous avez évoqué les IUT, vous avez évoqué d'autres choses. Les IUT, c'est une très bonne idée, sauf que à la française, une très bonne idée, parce qu'on a besoin de bac plus 2 technologiques très concrets, bien formés. Sauf que combien d'élèves d'IUT quittent la formation IUT pour travailler dans la foulée? Moi, j'avais une unité à Nanterre qui est dans l'aéronautique, très bien et tout, sauf que j'ai dû créer une licence professionnelle, une licence pro juste après, parce que les élèves de l'IUT voulaient rester, si je voulais qu'ils restent, ou sinon ils allaient à Paris 11 ou je ne sais pas où, etc. Alors, c'est le côté. Alors ça, mais ça c'est très intéressant, mais on est complètement dans un autre sujet. C'est très intéressant, si vous voulez, quand on regarde les demandes des élèves qui ont le bac, avant d'avoir le bac, ils remplissent plein de papiers, hein, pour leur orientation future. 55% choisissent des formations à sélection. 55%. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on est dans une tradition qui s'est mise en place que l'université, c'est ceux qui ne seront pas sélectionnés. Ce qui est dramatique. Parce que c'est un autre sujet. Sauf que, par rapport à l'Europe, on est sans doute le pays qui a le plus ce système-là de dualité. Hein, avec un effet que je rappelais quand j'étais, je ne sais plus quel jour... pour les doctorants, dans tous les pays du monde, quelqu'un qui est docteur est reconnu, quelqu'un qui est docteur en droit ou autre, et devient le consultant des élus politiques, du gouvernement, très facilement. Moi j'ai vu ça au Canada, dès qu'on était un petit peu, tout docteur en droit autour de des universités importantes du Canada, sont dans les conseils du gouvernement, sont quelque part. En France, jamais, surtout pas. On se méfie des docteurs. Il y a un côté presque négatif. D'ailleurs,
je n'ai pas toujours été d'accord avec l'association des doctorants quand ils venaient m'embêter pour des moyens que je n'avais pas, quand j'étais président d'université, mais sur le fond, ils avaient raison. Il n'y a pas la reconnaissance à la fois sociale et intellectuelle comme il y a dans la plupart des pays du monde. Ça, pour ça, pourquoi, je ne sais pas. Mais c'est un autre sujet, si vous voulez. C'est des petites choses qui interpellent, parce qu'on se demande pourquoi en France on passe à côté d'autres choses. Alors, j'aimerais quand même intervenir sur deux choses. Lisbonne, Barcelone, oui. Vous savez, j'étais dans un cabinet avec quelqu'un qui avait lancé l'idée de 80% d'une classe d'âge au niveau du bac. Je ne sais pas quand on y arrivera, peut-être un jour. C'est vrai que on a... Alors, ça, c'est un débat de fond. Malgré l'effort qui est fait par la France depuis pas mal d'années, quand même, vers l'université, on n'a pas assez de formation, d'élèves, d'étudiants dans les formations supérieures. On n'est pas dans les meilleurs, dans les performants. Alors, maintenant, pourquoi ? C'est pas une question de l'Europe, là. C'est une question des Français face aux Français. Est-ce qu'on ne fait pas assez d'efforts ? Pourtant, les études universitaires sont gratuites, donc c'est pas de façon quasiment gratuite. Hein. Donc on fait un effort extraordinaire par rapport à d'autres pays, parce que allez voir comment ça se passe en ce moment dans les universités italiennes, espagnoles ou anglaises, je veux dire que nous sommes presque un paradis, malgré tous les problèmes que nous avons, mais presque un paradis par rapport à ce que j'entends chez nos collègues. Donc là, il y a un certain nombre de choses qu'il faudrait étudier. Alors, vous avez évoqué la question des brevets. Alors ça, c'est un vrai problème, mais c'est encore un problème franco-français. On a beaucoup d'innovation en France, très peu on n'a pas le parallélisme entre l'innovation qu'on a en France et le nombre et le système des brevets. Alors, pourquoi je ne sais pas. Même des détournements de brevets, j'ai vu des Français qui venaient inscrire leur brevet au Canada, mais pas en France. Pourquoi, je ne sais pas. Ça, c'est une question très délicate. Alors, dernier point, et puis je vous laisserai poser d'autres questions, sur la spécificité grenobloise. En tant que recteur, je découvre, même si j'avais déjà des acquaintances avec Grenoble très ancienne, je découvre quand même les spécificités grenobloises. Je dirais que Grenoble a, en plus de ce que j'ai entendu, une spécificité, c'est sans doute le seul pôle universitaire qui se vit comme pôle universitaire en liaison avec la cité et en liaison avec le monde économique. Dans beaucoup d'autres pôles français que je connais, il peut y avoir des liaisons avec la cité. Bon, il y a beaucoup de villes qui se disent universitaires, mais il n'y a pas cette alchimie qu'il y a à Grenoble entre le monde économique, la cité et ce qui est universitaire. Et en dépit, parce que je le vis tous les jours, j'ai encore un drame entre le CEA et l'UJF qui vient de me tomber dessus ce soir, les bisbilles qui existent dans le reste de la France entre les organismes de recherche et le monde universitaire sont moindres à Grenoble, même si elles existent, que dans le reste de la France. Je pense qu'il y a une meilleure alchimie. Alors, je terminerai sur un point, qui est un mot qui a été utilisé tout à l'heure, le sillon alpin. Je pense que notre avenir, l'avenir de notre, parce que vous savez, moi, quand je suis quelque part, je me mets dedans et j'ai mes tripes qui disent ce que je vis. Je pense que l'un de nos avenirs, c'est le sillon alpin. Et le sillon alpin, et je suis très content que l'Université de Savoie ait choisi, plutôt que de faire de la coopération transfrontalière, ait choisi de s'orienter vers Grenoble dans sa dernière période. Parce que là, il y a une très grande force. Il y a un territoire, une force, des équipements qui vont d'ailleurs du CERN jusqu'à Grenoble, qui sont de niveau mondial. Et ça, maintenant, il faut le valider. Le problème de valider, c'est qu'on arrête d'avoir des bisbilles. Je veux bien mettre deux thèses dans le presse, mais je ne veux pas en mettre trois. Enfin, c'est complètement ce que j'entends tous les jours, et parfois un peu ridicule. Mais l'avenir, c'est le sillon alpin. Voilà. Allez, beaucoup de questions. De fort. Jean-Marc, oui. Vous avez parlé tout à l'heure du modèle LMD, qui est un modèle qui aujourd'hui attire, inspire, utilité,
espèce de synergie qui dépasse largement l'Europe au niveau des échanges universitaires. Mais l'un des problèmes qui a été soulevé d'ailleurs, un des problèmes qui a été soulevé tout à l'heure, c'était celui de la qualité des universités. Est-ce qu'il y a une Europe des universités envisageable tant que les critères de qualité seront le classement de Shanghai seront, déjà je parle que je connais bien côté grande école, les accréditations qui sont des accréditations américaines. Bref, tant que l'Europe ne sera pas capable de donner un modèle cohérent avec sa culture de l'éducation, de ce que c'est qu'une bonne université, qui ne se mesure pas simplement en termes de débouchés professionnels et de niveau de salaire des étudiants, mais aussi en termes d'objectifs sociétaux, culturels, politiques peut-être. Qu'est-ce que vous auriez comme élément à apporter? Je m'adresse à vous deux, parce qu'il y a, je sais qu'il y a eu beaucoup d'évolutions sur cette question-là. Peut-être que Mme Bourdon aussi a des idées sur la façon de cette évolution qui s'est faite. Non, je pense que je vais laisser la parole au recteur. J'ai simplement vu que la mise en place de la réforme à l'EMD a quand même pris pas mal de temps. Et par exemple, au niveau du doctorat, tout simplement, quand j'ai présenté ma thèse en octobre, on parlait déjà d'un doctorat à l'Université de Grenoble. Et monsieur le recteur l'a inauguré, je crois, le 12 février. Donc, c'est une question d'entente aussi entre les universités. Pour ce qui est des publications, c'est vrai que ça conditionne énormément l'évolution de carrière. Donc, ça, bon, c'était un petit peu la question que je posais. Quel modèle universitaire souhaitons-nous ? Est-ce que c'est par rapport à des critères, une lisibilité ou une certaine qualité ? Donc, je vous laisse la parole. Alors, vous posez une question extraordinaire qui est celle de la qualité. Et c'est un paradoxe. Parce que les Européens étaient peut-être tellement sûrs d'être les meilleurs qu'ils ont laissé les Anglo-Saxons d'abord, puis après les Chinois ensuite, s'ériger en décideurs de la qualité. Ce qui est assez étonnant. Alors, vous avez le classement de Shanghai, vous avez le classement du Times, vous avez un certain nombre d'autres critères. Les Européens sont très désemparés parce qu'ils sont divisés d'une part, et vous savez que le classement de Shanghai est assez paradoxal parce que les Chinois eux-mêmes n'y croient pas, hein. C'est ça qui est, chaque fois que j'étais en Chine, je disais alors le classement de Shanghai, on disait quoi, enfin vraiment pour eux c'était un petit groupe qui avait fait son petit truc dans son coin, et bon, c'est chez nous que ça a plus de presque d'importance ou d'effet par rapport à beaucoup d'autres endroits, ce qui est assez surprenant. Alors, par rapport à la qualité des universités, vous avez raison. On ne peut pas comparer l'incomparable, on ne peut pas comparer le MIT avec l'université de Sindal. Il faut trouver des critères. Les critères de Shanghai sont assez complexes. Évidemment, on peut avoir, si on a pris Nobel, ça vaut le coup. Bon, mais c'est pas... Oui, bon, voilà. Ça se mord la queue, puisque les prix Nobel sont attribués aux meilleurs chercheurs des meilleures universités. Bon, attendez, arrêtez, vous savez très bien que le système des prix Nobel, alors là je suis désolé, le système des prix Nobel s'appuie aussi sur les lobbies de scientifiques qui écrivent systématiquement. Le problème des Européens, c'est que les Européens, les Français, quand on dit ça, les Français se partagent et écrivent pour désigner... dans la dispersion, trois personnes. Chez les Américains, c'est pas compliqué. Ils ont des tours de rôle aux États-Unis. Ils sont des professionnels de ça. Donc, pour ça, pour les prix Nobel, il y a longtemps que j'ai perdu mon illusion quand des amis américains m'ont expliqué comment ils faisaient. Hein. Bon, ben oui, sauf que pour ça, il ne faut pas avoir trop d'illusions. Et peut-être que dans ce cas-là, on pourrait peut-être, entre Européens, puisqu'on a un espace, faire un peu plus d'efforts pour travailler ensemble et s'y organiser. Alors, il faut savoir que moi, quand j'étais à la CPU, c'était une de mes grandes préoccupations, faire un contre-Shanghai. Le problème, c'est qu'on est encore à en parler, et c'est l'EUA, qui est l'Association européenne des universités, qui a gros travail là-dessus, mais avec beaucoup de retard et avec une complexité. On avait réussi avec mon ami Rapp, qui est de Lausanne, et... d'autres, les Allemands, la Confédération des universités d'Allemagne, on avait commencé à travailler là-dessus. Maintenant, je n'y suis plus, donc je ne peux pas dire ce qu'on en est. Mais l'idée, c'était en effet de faire une sorte
de mémorandum, enfin quelque chose qui définisse, mais c'est très difficile à définir, quels sont les... Bon, est-ce que ça va être une université pluraliste? Est-ce que ça va être une université en fonction des publications? C'est tout un tas de questions qui se posent. Ceci étant, il y a de plus en plus l'idée de normes de qualité. Je ne sais pas si vous avez vu, mais l'université de Genève, quand vous ouvrez l'université de Genève sur son site internet, il y a marqué normes ISO, je ne sais plus combien. Alors c'est la qualité de l'accueil, la qualité des locaux. Alors le vrai problème, c'est comment évaluer la qualité scientifique. Alors certains vous diront, c'est pas compliqué, on fait la somme des signatures. Ce qui fait que des universités comme Paris 11 ont réussi, mais ils ont mis 5 ans, à faire en sorte que tout enseignant qui, de n'importe quel laboratoire qui est de Paris 11, ait la même signature Internet. Parce que c'est comme ça qu'on va retrouver. Et donc ils sont bien montés d'ailleurs dans les reconnaissances. Si Grenoble en arrivait à la signature unique, vous imaginez, UJ et les 3 et plus l'INP, ça fait de la gueule. Sinon, on en est très, 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 très loin. Bon. Alors, je sais pas si j'ai pas répondu à votre question, mais vous comprenez, c'est un vrai sujet. Il est sur la table, mais il n'est absolument pas facile non plus à identifier. Et il sera de moins en moins facile. C'est que on a cet espace européen, mais c'est un espace européen hétérogène dans la nature des établissements, parce qu'on n'a pas. On n'a pas décidé une modélisation des universités. Là, on a mis en place que le corset LMD, avec ce qu'il y a derrière. D'autre part, il y a une vraie crise des universités. En France, quand je dis que c'est le paradis, c'est parce que malgré tous les problèmes, malgré toutes les lois, malgré toutes les transformations, malgré toutes les difficultés, beaucoup de choses, regardez ce qui se passe en Allemagne. En Allemagne, c'est compliqué, le gouvernement a dit, on ne va soutenir avec un vrai financement qu'un nombre limité d'universités. Et ils en sont à 6, pour le moment reconnus, pour leur souci, problème de qualité ou je ne sais pas, dont 2 à Munich, d'ailleurs, c'est peut-être un hasard. Il y en aura d'autres, mais c'est vraiment une sélection. En Italie, je ne sais pas si vous savez, mais il y a un nombre d'universités. On devrait fermer la porte parce qu'il n'y a plus les moyens. Au Portugal, on a licencié des professeurs de l'université. Il y a un vrai problème de fond. Je ne vais pas en dire plus là-dessus. D'autres questions? Oui, monsieur. Oui, je voulais faire 2 remarques. La première, vous n'avez pas du tout mentionné que Grenoble est une des universités en France et qui a le plus d'étudiants étrangers. C'est une chance. Malheureusement, ces étudiants étrangers ne sont pas accueillis ou très peu accueillis, ce qui fait qu'on loupe une des chances qu'on a de connaître la culture des autres. La deuxième remarque que je vais faire, c'est de dire, quand on a la chance de faire des études supérieures, on ne fait pas qu'étudier, mais on apprend aussi beaucoup des autres. Et quand moi j'ai commencé ma carrière au Canada dans une entreprise américaine, j'étais bien content d'avoir pu connaître un peu la culture américaine par mes études, parce que je me suis vite aperçu que les problèmes technologiques que je maîtrisais à peu près étaient beaucoup plus faciles que les problèmes humains que j'avais à résoudre. Donc, si vous voulez, l'université m'a appris aussi dans ce domaine-là. Troisième chose, j'avais bien fait de dire, et ça c'est depuis très très longtemps, depuis l'origine, l'université de Grenoble a toujours eu 3 pieds, le pied de l'université, le pied de la recherche et le pied de l'industrie. Ça a toujours été très lié, si vous regardez les grosses recherches, les grosses découvertes faites en matière d'électrochimie et d'électricité. Il y a plus de 120 ans, c'était déjà des recherches faites par les 3 pieds. Donc vous avez bien fait de signaler ça, parce que je crois que c'est une caractéristique de l'université de Grenoble. Alors pourquoi les étudiants ne sont pas accueillis? Moi je trouve ça dommage. Par exemple, il y a plus de 1000 étudiants chinois à Grenoble qui viennent chaque année. On va beaucoup travailler avec les Chinois.
on ne se donne pas la chance de les connaître et de les accueillir. Or, si vous allez travailler en Chine sans connaître un peu la culture chinoise, ben vous travaillerez pas. Travaillez un peu. Madame, oui. Je voudrais revenir sur les brevets. Une des raisons est quand même que les écoles d'ingénieurs ont été l'outil performant pour relever la France après la Deuxième Guerre mondiale, deviennent maintenant un handicap parce que les ingénieurs sont recrutés sans faire de la recherche et sans thèse. Et par rapport à l'Allemagne, c'est le gros handicap français. Et c'est, bon, devant où ça s'est essayé avec la formation par la recherche, d'essayer de m'inverser la vapeur, mais le doctorat n'est pas reconnu dans les conventions collectives et les ingénieurs français ne sont pas formés par la recherche. Une autre question, comme ça on aura trois volets. Merci. D'une part, à Grenoble, il y a un des très anciens entre les universités qu'ils ont prises. Vous avez oublié de signaler l'AUG, l'Alliance Universitaire Grenoble, qui maintenant s'appelle l'Alliance Universitaire Entreprise de Grenoble, qui a plus de 50 ans d'existence. Et que les Lyonnais, justement jaloux, ils n'étaient pas arrivés à la création de telle structure. Deuxièmement, au début de l'électricité, les premiers cours avaient été refusés, que ce soit au sein de l'université. L'université avait commis là encore une erreur, et c'était le conseil municipal qui avait appuyé ses cours sous forme d'éducation populaire pour permettre l'enseignement de l'électricité auprès des futurs ingénieurs. Il risquait d'avoir la même chose, Michel Soutif rappelle ça, avec le professeur Klunzmann. Il avait été refusé, c'est Minéel qui l'avait imposé pour enseigner l'informatique, à titre personnel. C'est pour dire qu'il y a eu quand même, quelques ratages, comme quoi elle ne sait pas toujours anticiper, mais elle sait courir après le lièvre lorsqu'il fonctionne. Bon, ce qui m'ennuie dans ce truc, c'est qu'il me semble que quand même il y a un défaut dans le système éducatif français, hein, je ne dis pas l'université, c'est qu'on a environ l'élite lycéenne d'abord à aller vers les grandes écoles, qu'on veuille ou non. Les professeurs, il y a vraiment un bourrage de crâne pour y aller là-dedans, après prépa. C'est comme ça qu'on sélectionne nos élites. Extrait de l'ensemble des lycéens, et quel temps dans les grandes écoles, qu'est-ce qu'on en fait? Il ne faut pas oublier des technocrates. Il y a rarement eu des grands chercheurs sortant, même, je ne me rappelle plus le nom, là, il part souvent en France Culture, il est parti à l'école polytechnique de Lausanne. Et il a vu vraiment la vie extraordinaire qu'il y avait une telle université. Et puis à la fin, il lui demande, vous avez eu combien de prix Nobel pour caricaturer aussi ce que vous avez dit? Oh, je crois, une vingtaine, peut-être une trentaine. Mais lui, il était désolé de dire que l'école polytechnique française n'avait produit que deux. Voilà. Allez, vas-y. Une autre. Oui, vous avez insisté un petit peu à la fin sur, enfin en tout cas vous l'avez évoqué, la question de l'enjeu de la formation continue sur le cycle de vie. Je crois qu'effectivement, pour l'avenir de l'Europe économique et sociale, c'est un enjeu qui est très important. Pensez-vous qu'on soit en mesure à l'heure actuelle de structurer, comme on l'a fait pour l'université, par la formation initiale et supérieure, qu'on soit à même de structurer cette formation continue? On a le DIF, par exemple, en France, qu'on a mis en place en 2004, on l'a rendu exportable d'une entreprise à l'autre. Ça serait un enjeu très fort que si, au niveau européen, on pouvait avancer et faire en sorte que la formation continue soit exportable d'un pays à l'autre au sein de la communauté. Merci. Voilà, ça fait plusieurs. Oui, donc c'est un petit peu à la préfère. Toi, ça, bon. Alors, pour les étudiants étrangers, j'aimerais là faire un point. La France est encore un pays qui attire beaucoup d'étudiants étrangers. Nous avons, certes à Grenoble, mais il n'y a pas qu'à Grenoble. Hein. Il y a d'autres établissements, il y a d'autres villes qui ont beaucoup d'étudiants étrangers. Il y a entre 12 et 15% d'étudiants étrangers par université à peu près. C'est la moyenne. Savoir pourquoi ils viennent chez nous. D'abord, la France est attractive. Hein, puis, de certains pays, venir faire un séjour en France, c'est pas désagréable.
Pour d'autres, c'est plus l'aspect scientifique. Mais une fois, j'avais été effondré parce que quand j'étais à la grande prison d'université, j'allais aux affaires étrangères pratiquement toutes les semaines pour essayer de faire avancer un certain nombre de dossiers. Vous savez que les affaires étrangères ne sont pas très favorables à la coopération universitaire et scientifique française, parce qu'ils préfèrent la danse qui est plus spectaculaire que faire travailler les chercheurs entre eux, parce que là, ils ne peuvent pas justifier les résultats sur leur feuille de route. Donc c'est plus difficile. Ce que je voulais dire là, c'est que on m'avait montré une enquête qu'ils avaient faite dans les pays du Maghreb. Hein, et c'était très intéressant, tout le monde voulait venir en France. Mais tout le monde voulait venir en France. Donc, quelle université, je ne dirais pas l'université, mais une des universités qui avait le moins de formation, qui était l'une des absolues. Alors, elle n'aurait jamais été dans Shanghai. Simplement, elle prenait les étudiants étrangers très facilement et, grosso modo, comment dire, c'était un pays, c'était une université. Il faisait beau, c'était dans le midi. Les études n'étaient pas trop compliquées et voilà, on était tous séparés parce que nous, on pensait, on avait l'idée qu'ils venaient dans les universités où il y avait plus de substances et nous. Alors, il y a les deux choses qu'il faut prendre en compte. Alors, beaucoup d'étudiants étrangers en France, l'un des problèmes, le handicap français, c'est qu'ils sont très mal reçus. Il y a eu beaucoup d'améliorations, le CROUS a fait beaucoup d'efforts de logement, mais il y a quand même une différence quand on voit comment dans certains pays on accueille les étudiants étrangers. La France, pays théoriquement accueillant, pays ouvert, a beaucoup encore à faire et c'est sans doute un des problèmes. Alors évidemment, quand je vous rajouterai que vous êtes dans certains pays du monde, en Asie ou dans les Amériques, et que quand vous voulez vendre la France, on vous dit d'accord, c'est intéressant, ah oui, c'est des beaux diplômes, mais où est-ce que je vais être logé? Comment, qu'est-ce que je vais faire en dehors des cours? Où? Et ça, je veux dire que on n'a pas l'habitude de faire ce qu'on appelle dans le monde anglo-saxon horrible, le packaging. Et le packaging, j'ai découvert ça au Canada, c'est aussi important que le niveau scientifique. Et donc, quand vous avez en face les universités australiennes qui n'ont pas de prix Nobel, qui ne sont pas très bonnes, mais qui vous montre une belle photo avec la plage et un bâtiment ultra moderne, sauf qu'ils vous font payer 15 000 euros minimum pour vous inscrire, ben ça marche. Ça marche. N'oubliez pas aussi une autre chose qui est un paradoxe, et ça j'ai eu des discussions en Chine là-dessus. Je me suis fait interpeller par des Chinois qui me disaient, mais le problème, en France, les études sont quasiment gratuites, donc elles sont forcément pas bonnes. Et ça, c'est un. On me l'a dit dans plusieurs pays du monde. Alors, je, chaque fois, lancer, expliquer, mais pas du tout, parce que pour chaque étudiant, qu'il soit français ou étranger, l'État français donne entre 8 000 et 15 000 euros. C'est grosso modo les droits d'inscription que vous payerez. C'est une bourse cachée. Sauf là, ils ne comprennent pas. La bourse, c'est ce qui est donné directement à l'étudiant. Or, le système français, c'est ce qu'on appelle la bourse cachée. Et c'est vrai que quand on me demandait bêtement combien étaient les droits d'inscription, que je disais à l'époque, c'était sur l'équivalent de 300 euros, on éclatait de rire en disant, mais c'est quoi? Et ça, c'est, il faut le comprendre, dans des discussions à l'étranger, c'est très très difficile de dire, mais ce sont quand même des formations d'excellence. Hein. Alors évidemment, de l'étranger, du coup aussi, ça fait un différentiel pour certaines entités qui font de la formation supérieure où on fait payer, si on veut à l'INSEAD, ça doit être 25 000 euros l'année à l'INSEAD. Mais non, ça fait plus sérieux. Enfin, ce n'est pas une caricature parce que c'est quelque chose qui est une réalité qui pose problème en soi. Hein, mais moi, j'avais développé la théorie de la bourse cachée qui permettait de compenser, parce qu'il faut le dire, hein, l'État français, pour tout étudiant étranger, donne cet argent. Hein, voilà. Bon, alors pour le reste, je peux juste concernant l'accueil des étudiants étrangers, j'avais rencontré Martine Chanas qui s'est occupée du pôle européen et elle disait quand même que Grenoble était un peu novateur, l'université était novatrice en mettant en place le bureau blanc, le bureau bleu pour l'accueil des chercheurs et
des étudiants. Il y a aussi une organisation qui s'appelle AEF qui fait un gros travail d'accueil des étudiants étrangers. Et tout à l'heure, on a mentionné le comité de patronage des étudiants étrangers, le QEF. Je pense qu'il y a quand même une tradition. Concernant les étudiants chinois, donc je suis à l'IUT, on en a beaucoup qui viennent et maintenant sont mis en place des cours de chinois et a été mis en place récemment l'Institut Confucius. Donc c'est essayer de connaître un peu mieux leur culture pour pouvoir échanger. Le problème, français langue étrangère aussi. Voilà, français langue étrangère. Parce que ce sont des étudiants qui restent très solidaires, qui restent en groupe et c'est très difficile d'entrer en contact avec eux. Voilà aussi. Il y a quand même des efforts qui sont faits, pas assez, je suis d'accord. Alors, quant au brevet, je suis d'accord. Le problème, c'est qu'on a de très bons chercheurs, très bons techniciens, mais il n'y a pas l'ingénierie pour préparer ce qu'est le brevet. C'est pas évident. Il faut être à la fois juriste, économiste. C'est une ingénierie qu'en France, on ne sait pas bien faire, alors que dans le monde anglo-saxon, vous avez des cabinets qui sont là, vous trouvez, hop, paf, on va vous aider à faire le brevet, et ça va tout seul. Non, on a un petit handicap de ce côté-là qui est grave. Formation continue, alors, c'est un vrai sujet. Alors, sachez que la France exporte beaucoup. Moi, je l'ai découvert par mes différentes vies. Et par exemple, l'Académie de Grenoble exporte beaucoup de savoir-faire en formation professionnelle et formation continue dans les pays d'Europe centrale. Hein? Le délégué académique à la formation continue, le DAFCO, fait beaucoup de choses. C'est pas très connu. C'est dommage, parce qu'en France, nous avons un réseau. On a le savoir-faire, on a d'énormes qualités. Mais, c'est d'une part que les universités ont été très prudentes sur la formation continue, pour des tas de raisons. Et moi, quand j'ai dirigé le cabinet de la présidence de l'Université de Paris 1 pendant 10 ans, et en même temps pendant 4 ans, 5 ans à la fin, je dirigeais le centre de formation continue de Paris 1. Mais Paris 1 est une grande université qui a pas mal de disciplines, pas très scientifiques, mais mes collègues ne comprenaient pas qu'on fasse de la formation continue. La formation continue, c'est du commerce, c'est marchand. C'est pas digne de l'université. Sauf que le vrai problème, comme l'université a laissé passer ces occasions, c'est d'autres qui le font. Des organismes privés. Et excusez-moi, beaucoup d'écoles en font aussi. Le vrai problème, c'est que du coup, et là, on est presque du droit communautaire, si c'est marchand, c'est soumis aux règles de concurrence. Donc, appel d'offres et autres petites choses. Et l'université doit faire très attention à ne pas être mise en cause pour faire des détournements de concurrence. Donc, c'est pas simple du tout. C'est pas simple du tout, puisque, il faut faire des... Enfin, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Ceci étant, le premier défaut congénital... C'est le fait que les universités, sauf quelques-unes, mais bon, ça va être les universités technologiques, donc il y a une 3, la plupart des universités ont été très réticentes à couvrir ce champ qui est très complémentaire, parce que la formation continue, moi honnêtement, à Paris 1, j'ai découvert des choses extraordinaires en faisant de la formation continue. J'avais la chaire de Jean Monnet, le droit communautaire, et j'avais fait des séances de formation continue pour professionnels, et c'est comme ça que j'ai pu convaincre des syndicaliste très très anti-européen, bon, je n'ai pas forcément à devenir européen, mais au moins à comprendre les dossiers européens et oui, voilà. Donc si vous voulez, la formation continue, c'est un complément indispensable de la formation initiale et de la formation professionnelle. Simplement, on va vous dire aussi qu'on n'en peut plus.